Damn. Yo mes beauties, c'est Zerzé, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça te fait plaisir, ça me fait super plaisir de te voir. Aujourd'hui, on est parti sur un jeu de marde. Je sais pas si tu l'auras compris au titre, je pense, parce que ça sera écrit jeu de marde dans le titre, voilà. C'est simple et c'est clair, comme ça tu sais à quoi t'attendre. Il y a des jours où je me dis, payer le PlayStation Plus, payer sa connexion internet via sa PlayStation, c'est pas mal, tu vois. Parce que t'as des jeux gratuits, des fois ça vaut la peine, et il y a vraiment des mois où tu te dis que tu te fais quand même vachement enculer et qu'heureusement qu'il y a quelques mois où t'as des bons jeux parce que il y a des fois t'as vraiment une tripotée de merde qui devient une sacrée tsunami de merde en fait qui devient et des fois t'as du mal à t'enlever de tout ça. Du coup je me suis dit, parce que j'ai vraiment full saloperie sur mon menu de PlayStation, qu'on allait se faire une petite catégorie jeu de marde. Et on va commencer sur un jeu qui s'appelle, attention, APB Reload. C'est un jeu qui est gratuit du PlayStation Store. Il avait tout pour être bien. Je te le dis tout de suite, on va pas faire long. Parce que vraiment, c'est une merde. J'ai essayé deux fois en me disant, c'est peut-être la connexion internet. Sauf que là où je suis, il y a la fibre, mon pote. Et que avant, j'étais avec mon 4G de téléphone, ça peut pas être pire. Donc, il y a des fois, je comprends pas. Alors, du coup, on va essayer APB ensemble. Voilà, moi, je l'ai déjà essayé, mais tu vas voir un petit peu cette merde. Je vais essayer de te commenter un petit peu ce qui se passe. Enfin, bref, tu connais le système, le principe des jeux de marde. Y a pas de souci. Alors on va se mettre dans un checkpoint. Et en fait le jeu, alors il est gratuit. Faisait une très belle mise en avant de la customisation de personnages, création de perso. Tu peux le faire de A à Z, la gueule et tout, les tatouages, les maquillages, machin et tout. Et je me suis dit, waouh, comme ça, ça vend bien. Tu vois, on aurait dit un peu un Saints Row 2, mais tout en ligne. C'est qui ce fils de pute? Voilà. Hello. It's me. C'est de la saccade en permanence, tu vois. Je sais pas comment mieux t'expliquer. C'est-à-dire que le jeu, il est en 3 images secondes. Tu vois, moi je te fais des vidéos en 60 images secondes. Et bah le jeu là, il te fait du 3 images secondes. Regarde gros, j'arrive même pas à sélectionner le checkpoint, c'est pas triste ça? Et bref, parce que là je t'ai pas tout montré. Le truc c'est que quand tu veux tuer quelqu'un, faut déjà que t'arrives à pallier le viseur qui va à deux tensions. Parce que le viseur là, je peux pas aller plus vite que ça quand je veux viser un mec. En vrai comme ça peut-être que ça te paraît rapide, mais c'est super lent. C'est super lent et c'est super relou, c'est super désagréable. En vrai s'il y a un mec qui arrive à jouer sur ce jeu là, sans ramer, qu'il me le dise. Parce que moi je pensais vraiment que l'internet ici il était bon, mais peut-être que je me trompe hein. Et en fin de compte, en fait, dans le jeu, bah, j'y comprends rien. Parce que, bref, faut tuer des gens et tout, mais c'est vraiment très très difficile de tuer des gens. On va pas se mentir, le jeu est tellement merdique que c'est vraiment très difficile de tuer des gens. Alors là, on est reparti, la mission, elle se relance. Mais je prends aucun plaisir. Faut vraiment pas vous attendre à ce que je prenne le moins de plaisir dans le jeu. Là, j'ai essayé, mais vraiment, ça sert à rien. Putain, j'ai vraiment l'impression de me trouver sur un vieux PC ou une vieille PlayStation, je sais pas comment dire. Moi qui connais la Play, ça fait vraiment jeu de PlayStation 2, quoi. Là, t'as l'impression que ça rame encore pas trop, hein. Tu te dis, ouah, mais ça, c'est faisable. Téma, le viseur, comme il pue! Fume-la, cette pute! Ah bah voilà, c'est pas trop tôt, putain! Voilà, vas-y, recharge, et après on se le fait. Saute, ultime connard. Oh, vas-y gros, lui il y a joué toute sa vie. Lui je pense qu'il bug pas, ou il est modé sur Play, j'en sais rien. Ce jeu, c'est la foire aux excuses bidons pour essayer de dire que t'es pas mauvais. Mais c'est difficile d'être bon, j'allais dire c'est difficile d'être mauvais, mais non, ça s'est donné à tout le monde, c'est un don. Mais c'est très difficile d'être bon dans ce jeu, hein. Enfin bref, c'est un jeu qui est gratuit. Il avait tout pour être très très bien, mais je le mets dans la catégorie jeu de merde. Enfin, c'est pas parce qu'il est gratuit que ça fait tout. Hein. Je veux dire, c'est pas parce que ma merde je la paye pas et que je veux te la donner que ça va forcément être bien et intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, on serait tous en train d'essayer de récolter la merde que je chie. Et c'est pas le cas. On va essayer de prendre une voiture.
Est-ce que je peux avoir ma voiture? On m'a dit que si j'appuyais longtemps sur carré, ça faisait apparaître ma voiture, non? C'est pas ça? Faut croire que non, parce qu'il n'y a rien qui apparaît. Mais je sais même pas si j'ai une voiture, en fait. Pourquoi ça apparaît pas? Putain, je suis le seul connard de jeu qui a pas de voiture, ou bien? Ah bah tiens. Je vais pouvoir vous montrer la conduite. On va conduire ce petit 4x4 au calme. Ça va être bien. Allez, hop. Et les voitures, c'est pas mieux. Hein. Ça pue tout autant du cul. Oh, pardon, bah j'ai roulé sur mon pote, je crois. Ouais, ouais, c'était bien mon pote. Ouah, on s'est bloqué sur un trottoir, gros. T'y crois ou quoi? C'est bloqué sur un putain de trottoir. Bref. Du coup, face à ça, on va changer de jeu direct parce que c'est vraiment de la merde. APB, je le conseille qu'à ceux qui ont un internet digne de celui de la NASA. Sinon, bah l'achetez pas parce qu'il va vraiment, vous faire rager. C'est de la grosse merde. Bref, après on a un autre jeu. Franchement, c'est de la tuerie. Ça s'appelle Les Héros de la Taverne du Singe. Or, dans le titre, déjà, tu peux te douter d'un truc. Les héros de la taverne du singe, tu peux te dire, te mettre la puce à l'oreille, ah, ça pue des pieds, ça pue de quelque chose, tu vois. Ça sent pas bon, en gros. Mais, tu lui laisses le bénéfice du doute. Tu te dis, ah, ça va peut-être un truc un petit peu rigolo, ça peut passer, tu vois, mini-jeu, peut-être tu joues à plusieurs et tout. Ah, bah non, que dalle, que dalle, que dalle. Alors, en fait, c'est l'histoire, t'as 4 héros et c'est une espèce de mode donjon. C'est très particulier, je dois t'admettre que je m'y suis pas trop intéressé parce que je vais t'expliquer les touches et ça va direct te refroidir si t'aimes bien les trucs de donjon et tout ça. Et en fait, le jeu, voilà, c'est ça. Alors, au début, je me suis dit, bon, bah ça va, tu vas te balader dans un donjon, tu vas taper des gueules et tout, ça peut le faire. Mais c'est pas ça, le truc. Déjà, tu peux avancer qu'en carré, tu vois, et tu fais des demi-tours avec ton R1 ou ton L1. Et... tu tapes avec croix et attends, c'était comment? Ah oui, croix, et en fait tu dois passer des persos, tu vois, et puis t'as un temps de chargement, enfin bref, ça après c'est encore pas trop la folie. Enfin bref, on a un soin, un mage, tu peux choisir à peu près ceux de ton équipe, et le but c'est que t'avances, tu vois, comme ça. T'avances, tu fais demi-tour, tu continues d'avancer, tu regardes autour de toi, demi-tour, t'ouvres le portail, t'arrives là. Là, tu te cognes parce que forcément, faut que tu ailles à gauche. Et c'est très de la merde. Alors, je sais que j'emploie ce mot souvent, là. Ça pue du cul, ça pue des pieds, ça sent la merde. Je suis en train de me rendre compte que j'y dis beaucoup. Mais c'est parce qu'on a vraiment un joli cornet. Enfin, c'est un joli panier garni, on va pas se mentir. Hein. Faut pas se voiler la face. Hein. On a vraiment une belle sélection de caca. Un truc bien plaqué gold, tu vois. Même Vandamme, il t'aurait pas chié un truc pareil. Et tu sais quoi, moi, j'ai déjà fait cette partie du jeu parce que j'ai quand même été jusqu'à là. J'ai ouvert ce levier. Et qu'est-ce que ce levier va nous apprendre? Un serpent. Et là, tu vas voir le système de combat et ça m'a fait quitter le jeu tellement c'était nul. Tape-le, 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 tape-le. R2, croix, R2, croix. Croix, R2, croix, R2, croix, R2, croix. Parce que forcément, des fois, tu loupes tes coups, hein, t'es pas toujours bon. R2, croix, croix. Allez, on y va. Et on continue. 2000 years later. Toi, tu te bouffes en attendant des dégâts. Hein. Tu te dis qu'un petit serpent de merde, c'est en train de te niquer toute ton équipe en 2-2, là, quand même. Hein. C'est vraiment une équipe sortie du trou du cul du monde. Et là, il est mort. Sauf que là, j'ai deux de mes bonhommes empoisonnés. On a tous perdu la moitié de notre vie. Et au final, je me suis pas amusé. Du coup, ce qu'on va dire, c'est que pour la taverne du singe, on va s'arrêter là. Hein. Voilà, c'était le deuxième jeu que j'avais envie de te présenter. Une deuxième petite perlasse. J'espère que ça t'a plu. Et on va passer à autre chose. Parce que oui, il y en a un troisième. Ah, en plus, j'étais pas actif depuis un petit moment. Donc c'est le cas de dire que j'en avais des merdes sous mon tapis. Hein. J'en avais caché plusieurs. Et celui-là, il s'appelle Trex. Alors là, c'est une démo. Parce que heureusement, je les paye pas quand même ces jeux pourris là. Parce que sinon, j'aurais le seum. Hein. Je vous aurais déjà demandé de faire des dons au début de vidéo. Hein. Parce que l'appartement, ça va, mais il en faut peut-être un deuxième. Maintenant, faut investir dans l'immobilier. C'est comme ça qu'on arrivera à perdurer dans la vie, tu vois. Et je leur lègue quoi à mes enfants? Une chaîne YouTube qui sera bancale. Parce que je pense qu'en 2050, gros, je serai has-been. Laisse tomber. Faut que j'investisse. Bref. Alors forcément, on nous propose d'acheter le jeu avant d'y jouer. Ça déjà, tu vois. À nouveau, ça pue. Si on te propose d'acheter le jeu avant de démarrer une partie, ça veut dire que... ah, ils font pas confiance en leur démo, tu vois. Là, tu dis, il y a des jolies illustrations, chargements, et en fait, c'est un jeu moche comme ça. Et il y a beaucoup, beaucoup de dialogues. Ouais. On n'a pas le temps de lire, hein. J'aime pas lire. Je lis que quand c'est important.
et là on est en train de hacker un serveur. Alors le jeu n'est pas que comme ça, rassure-toi, hein. C'est pas non plus Space Invaders. Au début j'avais cru, mais c'est pas le cas. Là le but c'est simplement de détruire toutes ces petites saloperies. Hop. On appuie sur triangle, on se téléporte. Là en fait on est en train d'hacker le système pour progresser. Je sais pas sur quoi parce que j'ai pas lu, c'était trop long. Je vais quand même pas passer plus de temps à lire les dialogues d'un jeu de merde que d'y jouer. Voilà. Ah, attention, là on est face à un boss. Voilà, il s'est fait défoncer. Ça va être la seule difficulté de ce niveau, me semble-t-il. Hop, on se re-téléporte parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Hein. On a des musiques qui sont là uniquement pour te faire yesh. Enfin bref, t'as vraiment l'impression qu'il y a des trucs incroyables, mais c'est pas le cas. Hein. Et voilà, après le jeu il se passe un peu comme ça. C'est Tony, une espèce de petit gros là, on dirait moi derrière mon ordinateur quand je fais des montages. Ok. On va aller se balader dans les ruelles les plus mal famées de ce bidonville. Voilà, on a un imperméable marron, ça veut dire qu'on vit vraiment dans la merde. Allez, défonce-le, smash. Hop là, hop. Prendre Knock 17. Munition pour Knock 17. Alors là, parce qu'il nous l'équipe pas tout de suite, ces espèces de baltringues, qu'on va l'équiper. Voilà. Et comme ça, quand je suis là, je vais pouvoir équiper mon pistolet. Et le sortir comme ça. Alors attention, ça va être très très lourd. On n'est vraiment pas là pour rigoler. Et le mec qui se fait tirer dessus, il réagit pas. Et le jeu, c'est ça. Alors bon, tu me diras, ça fait un petit peu jeu d'arcade et tout, comme à l'ancienne. Je suis pas contre, sauf que, bah voilà, sincèrement... Moi je m'attendais à essayer des jeux de Gueudin. Là la polymanga comme t'as pu le voir quand j'y étais allé, j'avais pu essayer Little Nightmare et j'aurais bien aimé qu'il y ait une démo parce qu'il n'y a pas de démo et le jeu n'est pas encore sorti. On a quand même eu la possibilité de pouvoir y jouer durant cette Japa polymanga pardon, durant la polymanga. Et bah c'est un petit peu dommage qu'on l'ait pas en démo, ça m'aurait fait plaisir et du coup bah c'est vrai qu'on se farcit pas mal de merde, j'ai encore pas tout essayé des derniers trucs qui sont sortis, mais c'est vrai qu'on a pas mal de merde et j'en ai plein le huc de ces saloperies, fait chier. Du coup voilà, je t'ai présenté un petit peu toutes ces saloperies, je sais pas si ça t'a plu, il fallait que je le fasse, il fallait que je vide mon sac. 3 jeux en plus qui vont finir dans une toutounette, ça c'est... Ce que tu mets pour ramasser les crottes de ton yinche quand tu les promènes. Et voilà. En tous les cas, ça m'a fait plaisir de te voir. Ma jeune beauties, mon jeune laidron. Je rigole, à part ça, le prenez pas pour vous les beautés. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo et tchii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